Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, notamment Facebook, vous avez peut-être vu passer l'info comme quoi je me suis commandé un nouveau planeur A5, donc pour remplacer le Ballerina, donc le Carpe Diem Ballerina, qui me sert donc pour ce qui est création, réseaux sociaux et tout ça. Alors ce planeur A5 que j'ai choisi, ça fait un petit moment qu'il est déjà sorti. J'ai pas mal hésité parce qu'il n'est pas du tout, il n'est pas dans le style de ce que j'ai l'habitude de prendre, mais c'est ça aussi qui a fait que j'ai craqué pour lui et qui fait son charme. Et donc, c'est le Webster Page Buffalo Plaid. Donc, la couverture, elle est en simili-cuir, ce qui est pas plus mal parce qu'elle paraît plus solide que par exemple que pour le ballerina que j'avais avant. J'avais toujours peur en fait, j'avais toujours peur de faire des marques dessus. Celui-ci paraît plus solide. Et puis donc la patte de fermeture est en cuir marron. On a ici aussi une petite déco ici marquée Forever. Et puis l'intérieur, voilà, comme ceci. Donc, comme vous voyez, j'ai pas encore tout enlevé. Je suis désolée, il y a pas mal de bruit aujourd'hui dans mon immeuble, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop. Donc je disais, les petites pochettes ici, donc ici en blanc avec une partie transparente. Et puis à l'arrière, on a donc une et deux grandes pochettes avec une partie comme ceci, rose à pois blanc avec des fleurs. Et puis sinon, donc l'intérieur est marron comme la pâte de boutonnage. Alors, je vais enlever ceci. Et puis donc à l'arrière, on a une grande pochette comme ceci où on peut glisser un carnet, mais moi je vais le décorer d'une autre manière. Et puis une pochette ici, donc qui est quand même assez rigide. C'est un petit peu difficile d'y faire passer des choses. Alors il y a des petites parties plastifiées ici qu'il faut que je coupe. Donc on a tout d'abord un marque-page ici. Ensuite on a donc une séparation transparente. Donc sur laquelle il y a une petite, voilà, il y a une petite protection qu'il faut donc enlever, qu'elle soit réellement transparente. Je vais enlever tout de suite, voilà. Comme ça, donc c'est vraiment une séparation tout à fait transparente. On a ensuite un vellum avec l'inscription The Good Life. Et puis, on a ensuite des intercalaires. Celui-ci, ici comme ceci. Ici, on a des inserts comme ceci. Donc, ce sont d'abord des pages lignées avec des fleurs. Un autre intercalaire. Ensuite, on a des inserts comme celui-ci qui me seront sûrement très utiles, par exemple, pour des idées de vidéos. Donc, c'est marqué week off, donc semaine du. Vous avez quatre, il y a quatre séparations. Et puis derrière, sketch avec une partie blanche. Et puis ici, de quoi marquer des petites infos. Après l'intercalaire suivant, on a des listes de tâches. Ici, vous avez une page menu toute la semaine, avec ici une liste de shopping. Voilà, donc il est quand même très complet. On a ensuite l'intercalaire suivant. Ici, on a des pages comme ceci. Donc il y en a deux de chaque. Voilà. Donc c'est du papier plus fin que les intercalaires. On a l'intercalaire suivant. Très sympa. Et puis ensuite, donc l'agenda mensuel. Donc, chaque mois est indiqué avec un petit onglet. Et puis, donc, comme vous voyez, c'est non daté. Voilà. Donc, comme ceci pour chaque mois. Et pour terminer, donc, les semaines sur deux pages, toujours non datées. Et puis, donc, à l'arrière, de nouveau, un intercalaire transparent sur lequel vous avez toujours donc, une protection à enlever. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Donc, toujours un film plastique par-dessus comme ceci qu'il vous faut enlever. Alors, si on compare avec le ballerina, la taille des anneaux donc, est exactement la même. Donc, les anneaux sont dorés.
Et puis par rapport à la taille, donc fermé. Alors comme vous voyez, le Buffalo Plaid est un petit peu plus allongé. Par contre, en termes de largeur, c'est presque... Ouais non, le ballerina est un tout petit peu plus large. Ce qui fait que donc le ballerina est plus carré que le Buffalo Plaid. Voilà donc pour sa présentation. Je vais maintenant le décorer avec cette magnifique collection, donc Freezing Season. Je vous remettrai dans le petit le lien vers la vidéo de présentation de cette collection. Donc on a les petites planches de stickers, la grande planche de stickers, et puis donc les 12 pages comme ceci. Alors pour cette partie-là, je vais vous laisser en musique. Ce sera un petit peu en accéléré, étant donné que le principe est toujours un petit peu le même, que j'ai déjà donc fait des décos comme ça de planeur à 5, notamment pour le ballerina. Puis je vous retrouve après pour la présentation finale. Thank you.
Donc je vous montre le résultat final. Ici sur la gauche, je décore avec quelques stickers. J'ai fait des petits paperclips, notamment celui-là avec le petit gant, que je trouve trop mimi. Ici avec un petit bonhomme de neige. Et puis le reste, j'ai fait aussi des découpes directement dans le papier. Ici comme ici la petite bonne femme. Ensuite ici, j'ai juste glissé donc un petit papier avec tous ces petits pingouins. Et puis ici, donc j'ai laissé une petite carte, si jamais. Ici, pour celui-ci, j'ai donc fait un dashboard et puis 5 intercalaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien. En fait, j'avais fait 3 grands intercalaires, donc réseaux sociaux, création et adresse. Et puis à l'intérieur, j'avais fait des plus petits onglets, des plus petites séparations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait trop chargé. Donc pour cette fois, j'ai fait un petit peu plus light, on va dire. Donc je n'ai fait que 5 onglets. Donc j'ai plastifié mon dashboard pour qu'il soit plus solide. Donc j'ai juste rajouté sur le papier une des 4 Project Life. Voilà, derrière j'ai collé quelques stickers. Ici, donc il y a juste quelques pages pour prendre des notes si besoin. J'ai un premier onglet YouTube. Ici, la boule à neige que je trouve trop jolie. Et puis donc, j'ai commencé par mettre les vues mensuelles. Ce qui me permet de planifier mes vidéos à l'avance. Ensuite, j'ai un onglet pour mes partenaires. Donc, j'ai actuellement 3 partenaires pour lesquels j'ai fait des petits onglets pour les retrouver plus facilement. L'intercalaire suivant pour les idées de création, avec ce papier que j'aime vraiment beaucoup aussi. À l'arrière, j'ai collé ce sticker, donc pour rappeler les petites maisons enneigées du papier. Avant-dernière intercalaire pour les envois et les échanges. Alors cette année, je vais faire un petit peu moins d'échanges parce que j'aimerais vraiment me consacrer à la création déjà pour ma chaîne YouTube et puis également des créations pour des projets personnels, des albums, etc. Donc ça me laissera moins de temps pour des échanges, mais j'essaierai quand même d'en faire quelques-uns. Et puis donc la dernière partie qui concerne donc les adresses et les contacts. Ensuite une petite pochette avec où j'ai laissé quelques autocollants, un petit peu de washi et tout ça. Et puis à l'arrière, donc pour éviter d'avoir cette partie toute blanche, j'ai glissé donc un papier simplement comme ceci. Et puis par-dessus, je suis venue faire 2 pochettes. Donc une grande ici. Ici, ce que j'ai besoin. Et puis une plus petite ici. Là, j'ai mis quelques autocollants que j'ai depuis très longtemps, que j'avais commandé sur la boutique Kina Print sur Etsy. Et puis c'est tout. Voilà, donc il est quand même un petit peu moins chargé que l'ancien. Je trouve que ça va très bien comme ça. Voilà donc pour mon nouveau planeur création pour ce début d'année 2019. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de lire vos messages. Et puis même si je n'ai pas toujours le temps de répondre à chacun, je laisse toujours un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu tous vos messages. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao !